شوفير؟ لا ما كاينش شوفير. لا ما كنقدرش نوفر حقاش مصاريفي كثيره ومدخولي صغير. ما عندك فين تاخذ الفلوس، اللهم واش خليهم حداك بجنبك بعدا. وانا راه كنخلي الفلوس حدايا ما كنعطيهم حتى واحد، كندير الثقه في حتى واحد. غندير ضابط مع صحاباتي اولا مع الناس واخا ما نكونش كنعرفهم. برك اخويا المشاكل قوت الوراق، سير جيب الوراق ليغاليزي، سير قطاعات حيدو تمشي تحط 500 درهم تجي الشهر الاخر تلقى 400 درهم. قطاعات بزاف الحتاجات في نفس السبت ولا الحد بحال هكا الويكاند اولا بالليل ما كنلقى والو. البنكة فيها قطاعات كيطلبوا منك الوراق، ما عنديش ان سالير فيكس، هادشي اللي ما كيخلينيش نفكر نوفر في البنكة. Au Maroc, on compte 5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans, dont seulement 20% sont aujourd'hui bancarisés. Cette proportion a tendance à être encore plus faible si le jeune est issu d'un milieu défavorisé ou s'il réside en milieu rural. S'agissant de l'épargne, 49% des Marocains déclarent ne pas épargner du tout et 33% déclarent épargner de manière informelle. En tant que filiale de Barid Maghrib, Al-Barid Bank a hérité d'un savoir-faire et d'une légitimité historique sur l'épargne. La commercialisation du compte d'épargne national remonte à 1959. C'est donc 4 générations de Marocains qui l'ont adopté. C'est plus de 3 millions de comptes aujourd'hui à Al-Barid Bank. Pour 10 millions de Marocains, le compte d'épargne national, c'est également le premier pas vers l'inclusion financière. On peut l'ouvrir avec ses comptes d'IRAM, il est gratuit, il est exonéré de tout frais et il est défiscalisé. Aujourd'hui, Al-Barid Bank souhaite consolider son rôle majeur dans l'inclusion financière avec une offre dédiée à notre jeunesse grâce à une épargne innovante et adaptée à ses besoins spécifiques. Ce produit s'appelle Tawfir Al-Ghad. Alors nous avions en tête de concevoir une offre d'épargne innovante mais qui soit spécifiquement dédiée aux jeunes. Pour cela, il fallait tout d'abord qu'on comprenne les jeunes. Comment réfléchissent-ils? Quelles sont leurs attentes, leurs motivations, leurs freins par rapport à l'épargne formelle? Alors dans ce sens, nous avons mené avec Silatech une étude auprès des jeunes et ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Les jeunes sont conscients de l'importance de l'épargne, mais quand ils épargnent, généralement, ils épargnent de manière informelle. Le deuxième point, c'est qu'il y a une méconnaissance et beaucoup d'a priori par rapport à la banque de manière générale et par rapport au fait d'épargner à la banque. Et le troisième point, c'est que les jeunes ont beaucoup de freins sur le fait que leur argent doit être disponible à tout instant et donc ils ne sont pas réceptifs à l'idée d'avoir leur argent bloqué quelque part. اللي خليني نزعم نحل كونت ديال التوفير في البنكه هو انه نحط فلوسي يبقاو هما ما يكونوش قطاعات. خصو يكون بعدا المنتوج فابور، ما يكونوش قطاعات، الفلوس اللي نحط نلقاها وكاع لقيت كثر احسن. وثانيا وقت ما بغيت ناخذ فلوس نقدر ناخذهم، يديروا لنا شي كارت في الكيشين نمشيو نتيريو الفلوس ناخذهم هذيك الساعه بالليل الويكاند اي وقت اي وقيته ناخذهم. هذا هو الا كانت بحال هكا نقدر نفكر في التوفير، اما دابا. Et donc c'est à la lumière de tous ces enseignements que nous avons conçu l'offre Tawfir Al-Ghad autour de 3 volets. Un volet produit qui consiste en un compte épargne gratuit auquel est adossée une carte de retrait également gratuite. Donc ça répond aux besoins de disponibilité 24 heures sur 24 des fonds. Le deuxième volet, c'est un volet animation. Donc pour inciter le jeune à se mettre dans une dynamique d'épargne régulière, mensuelle si possible, on l'incite à mettre sur ce compte Tawfir Al-Ghad 50 dirhams au minimum chaque mois. Et chaque fin de mois, une tombola permet de faire gagner 10 clients parmi ceux qui ont épargné les 50 dirhams. Le troisième point, pour répondre à ce problème de méconnaissance et à ce problème de fond, de préjugés relatifs à l'épargne formelle, nous avons conçu et produit 8 capsules d'éducation financière qui vont être diffusées à large échelle dans les médias et sur le terrain. Et on a été confortés dans ce choix-là par le dernier rapport de la Banque mondiale qui a vraiment mis en évidence la corrélation entre éducation financière et inclusion financière bancarisation. Silatech est une initiative sociale régionale qui est basée au Qatar. Silatech veut dire ta connexion, parce que notre mission est de connecter les jeunes à de meilleures opportunités pour l'emploi, l'entrepreneuriat et l'insertion économique, et ce à travers l'étendue du monde arabe. Au Maroc, depuis 2009, Silatech met en œuvre avec ses partenaires publics et privés des programmes qui sont à la fois innovants, concrets
ambitieux et à fort impact au profit des jeunes. L'initiative Épargne pour demain, Taoufir El Rad, s'inscrit parfaitement dans cette lignée. À Silatech, nous sommes absolument ravis de ce partenariat avec Al Barid Bank, qui va permettre à des milliers de jeunes Marocains de pouvoir apprendre tôt les bonnes habitudes financières, de pouvoir constituer un capital pour monter leurs projets et bien sûr bâtir leur avenir. Grâce à la vision commune partagée par Al Barid Bank et Silatech, nous sommes absolument convaincus que Taoufir El Rad va non seulement augmenter l'insertion économique des jeunes au Maroc, mais va aussi servir d'un véritable modèle pour toute la région. Avec Taoufir El Rad, Al Barid Bank met plus que jamais l'éducation financière comme vecteur de l'inclusion financière des jeunes marocains. Taoufir El Rad, offrons l'yom min ajl ghad.